Bonjour à tous, il est 6h30 et bienvenue dans ce journal. L'État ivoirien engage 72 milliards de francs CFA pour contribuer au développement communautaire. Ce fonds sera géré par le Programme national de développement communautaire, le PNDC. Il va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations des zones villageoises et périurbaines. Mamadou Kouassi. Les effets des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire se font toujours sentir, surtout dans les zones rurales. Cela s'explique par le déficit en infrastructures sociales à gestion communautaire et la baisse du niveau de vie des populations. Pour répondre à toutes ces préoccupations, le gouvernement a mis sur pied depuis 2012 le Programme national de développement communautaire, PNDC. Le président de la République met à la disposition de ce programme la somme de 112 milliards de francs CFA pour une période de 4 ans, en vue d'améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement les couches les plus vulnérables, à savoir les jeunes, les femmes et les personnes handicapées. Selon le docteur Messan Fulgence, coordinateur du PNDC, sa structure a pour mission essentielle de promouvoir les activités génératrices de revenus, en vue de favoriser l'intégration socio-économique des groupes vulnérables. Il s'agit principalement au nom de développer des projets de lutte contre la pauvreté, de création d'activités génératrices de revenus et de développement des infrastructures dans les zones qui ont été affectées par la crise, mais aussi des zones qui souffrent énormément de la pauvreté. Il s'agit également pour le Programme national de développement communautaire d'améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base de qualité, à savoir l'eau potable, l'école, la santé, le logement, les infrastructures routières. Pour entamer ce programme, l'Ouest ivoirien, zone sinistrée du fait des conflits, bénéficie de 14 milliards de francs CFA. Pour garantir une bonne gestion de ces fonds, un comité de pilotage a été installé. Fort de 18 membres issus des différents ministères techniques, ce comité a pour mission d'assurer une bonne exécution du programme en vue du bien-être des populations ivoiriennes. Des réfugiés ivoiriens rapatriés de la Centrafrique sont en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Ils ont été répartis sur deux sites d'accueil, en Dotré et à Zaguié. Ces rapatriés ont reçu la visite de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oulouto, venue s'informer sur leurs conditions de vie et connaître leurs préoccupations. Arrivés en Côte d'Ivoire depuis quelques jours, 250 Ivoiriens venus de la Centrafrique ont été répartis entre le centre d'accueil et de transit l'Oasis de l'Éternel en Dotré et l'Institut des nouvelles techniques agricoles situé à 5 km d'Azaguié. Un hébergement rendu possible par les efforts de l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité. De Ndotré à Zaguié, ces réfugiés aspirent tous à une bonne insertion socio-professionnelle en Côte d'Ivoire, leur pays d'origine. Je suis partie à Centrafrique, mes affaires marchaient bien. Mais avec la situation là, et les balles perdues, vraiment, c'était chaud. Ça n'allait même pas. On remercie le président. On remercie le président s'il peut faire quelque chose pour nous. On a tout perdu. On a fait les universités. Beaucoup des enfants sont restés seulement comme ça. C'est ça que nous voulons que et les gouvernements ivoiriens nous aident à nous faire rattraper tout ce temps qu'on a perdu. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oulouto, dit avoir pris en compte les préoccupations des Ivoiriens rapatriés. Mais avant toute action du gouvernement, chacun de ces réfugiés devra trouver un point de chute. Il appartiendra au gouvernement de se pencher sur les différentes préoccupations que nous avons pu recueillir ça et là de ces populations qui, dans une bonne majorité, n'ont pas vraiment de traces précises de leurs familles respectives. Je crois qu'il sera facile de retrouver donc ces familles-là. Le plus important, c'est de faire en sorte que les sites soient libérés rapidement. Ce sont des sites de transit et ces Ivoiriens doivent vivre dans leurs familles respectives. Une fois que les réfugiés auront regagné leur famille, le ministère de la Solidarité s'attellera à faire des propositions au prochain conseil de gouvernement et de ministres en vue de l'adoption d'une démarche à suivre pour l'insertion de ces rapatriés. Des familles sénégalaises ont elles aussi regagné Dakar du fait de la crise en Centrafrique. Elles ont été accueillies par les autorités de leur pays, le Sénégal. Ils sont en majorité des femmes et des enfants, visage défait que rend détresse 350 Sénégalais rapatriés de Centrafrique, dont 30 Guinéens et 10 Maliens, sont arrivés à Dakar en compagnie des membres de leur famille. On a peur, on découpe les gens en morceaux, c'est des catastrophes. On avait vécu très mal, moi-même avant-hier, on devait mes gosses la nuit.
C'est des Burundais qui sont venus me sauver, m'amener au consul de Sénégal. On demande que Dieu il n'a qu'à faire la paix dans ce pays-là, parce qu'on vivait en harmonie avec ces gens-là. Actuellement, là-bas, c'est très dangereux. Mais ce que nous voulons, que Dieu nous protège, protège tous les Sénégalais qui restent là-bas. Il y a des Sénégalais qui sont là-bas avec leurs biens. En l'espace de 3 jours, ce sont 600 Sénégalais sur les 750 qui vivaient officiellement en Centrafrique qui ont quitté ce pays en proie à un conflit interconfessionnel entre musulmans et chrétiens. Venus à l'accueil, les autorités sénégalaises qui ne prévoient pas un troisième vol ont promis d'apporter une assistance à ces rapatriés qui ont tout laissé derrière eux. Les dispositions prises aujourd'hui, c'est de pouvoir recenser toutes ces familles qui sont là et permettre d'abord la réintégration préscolaire des enfants. Les femmes aussi, comme je viens de leur dire tout de suite, ce sont des femmes sénégalaises. Donc elles ont tous les droits de pouvoir bénéficier des financements qui sont mis en place pour ces femmes-là et en même temps d'être formées et encadrées. Selon le ministère sénégalais de l'Intérieur, tous les rapatriés vont être recasés. En attendant, une cellule d'assistance psychologique a été mise en place en rapport avec le ministère de la Santé. Intéressons-nous à la vente de téléphones portables, un business qui rapporte de nombreux petits métiers secrets autour de ce commerce. Notre reporter Herman Niamien a fait pour vous une incursion dans l'univers des revendeurs et réparateurs de téléphones portables. Traoré Bala est réparateur de portables au Black Market d'Agami. Ce métier, il exerce depuis près de 3 ans. Il n'a fait aucune école de technologie, encore moins de maintenance informatique. D'ailleurs, il a arrêté les études en classe de CM2. Mais Bala fait des merveilles. Aucun portable n'a de secret pour lui. Même c'est un truc qui était déjà fondé ça il y a longtemps. Parce que depuis tout petit, j'ai démonté les portables de mon papa les années 2000-2002. Il prenait les lalés, il les démontait, il essayait de voir un peu dedans comment ça se passe. C'est aux côtés de Kone Ahmed Didemba que Bala a appris la réparation des portables. Lui également dit avoir appris sur le tas. Auparavant, il vendait téléphone. Au fur et à mesure, quand les clients viennent, souvent ils ont des petits pannes, ils arrivaient à faire ça pour eux. Les gens m'ont dit non, comme tu es doué, tu fais tout, c'est bon, il faut essayer de continuer le travail. Les clients viennent de toutes les communes du district d'Abidjan et même des villes de l'intérieur du pays. Avec lui, disent-ils, ils sont assurés de repartir satisfaits. Il s'est réparé, il a fait plusieurs fois pour moi. À cause de ça, j'ai ramené un autre portable et le micro passe pas, qu'il puisse changer. Bala répare entre 10 et 15 portables par jour et à l'heure du point, le compte est bon. Quand la clientèle est un peu beaucoup, là, on se retrouve au moins avec une somme de 45 000 à 50 000 par jour. Le métier fait vivre. Bala parvient à aider ses parents avec ses revenus. Comme lui, ils sont nombreux les jeunes qui se sont intéressés à ce métier. Au Black Market d'Agame, on dénombre plus de 200 réparateurs de téléphones. Tous sont arrivés à la suite du boom du téléphone mobile en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pour la plupart aucune qualification. Ça, j'ai commencé à réparer la télé, les DVD, appareils numériques. Par la suite de ça, quand le téléphone est rentré dans notre monde, et là, je me suis inséré aussi dans les réparations de cellulaires. J'ai beaucoup d'expérience et j'ai acquis ça beaucoup de plusieurs personnes. Aujourd'hui, le vœu de ces jeunes est de bénéficier d'une aide financière pour agrandir leur activité. Déjà, avec les mêmes moyens, ils parviennent à faire des merveilles. Avec un minimum d'encadrement, ce secteur sera un grand pourvoyeur d'emplois. Parce que déjà, ce sont des milliers de jeunes qui sont à l'abri du chômage et qui gagnent honnêtement leur vie dans ce métier. Les élèves de la région du Tonkoui sont soulagés. Ils viennent de recevoir 3000 tables bandes distribuées dans les différentes écoles publiques. C'est un don du conseil régional, nous dit Mamadou Kouassi. Le président de la République, lors de sa visite d'État dans la région du Tonkoui, a offert plusieurs matériels aux acteurs du système éducatif de cette région. Malgré ses efforts, le déficit dans talbans est important. Cela du fait de la crise qu'a connue l'Ouest ivoirien. Aujourd'hui, il s'agit pour le conseil régional d'améliorer les conditions de travail des élèves du primaire et ceux du secondaire. La collectivité territoriale offre 3000 talbans aux écoles de la région. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, parrain de la cérémonie et par ailleurs fils de la région, annonce des initiatives du gouvernement en faveur de cette région. Le président de la République a pris la décision de doter notre région des moyens pour l'instruction des enfants. L'université, je le confirme, va ouvrir à la rentrée 2014-2015.
travaux vont démarrer incessamment. Je voudrais également dire que Madame la ministre nous a promis de faire en sorte que nous puissions avoir un lycée technique ici et peut-être un lycée technique des jeunes filles. Notre ambition, c'est de faire de la région du Tonkoui la première région en matière d'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Il invite donc les élèves à la culture de l'excellence afin de contribuer dans le futur au développement de la Côte d'Ivoire en général, mais de l'Ouest ivoirien en particulier. Les responsables de l'école dans la région du Tonkoui et les élèves premiers bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Le président du conseil régional du Tonkoui, Wayou Mela, soutient qu'après le secteur éducatif, d'autres secteurs se verront soulagés en vue d'améliorer les conditions de vie de ses administrés. Ils sont arrivés au terme de leurs études bibliques. Une trentaine de pasteurs de l'Institut biblique et technologique Afrique de Yamoussoukro ont reçu leur diplôme des mains de révérends venus du Nigeria et des États-Unis. Thérèse Tapé-Yoboui. Ils étaient 35 pasteurs à être ordonnés et à recevoir leur diplôme de fin de cycle. Ces 35 pasteurs ont été formés à l'Institut biblique et technologique Vision Afrique de Yamoussoukro. J'ai ressenti l'appel d'être formé, pas parce que je suis sur une mission, non, j'avais besoin d'être formé, j'avais soif de formation et Dieu m'a permis de m'inscrire à l'IPTVA. Je te dis ceci, que l'instruction est pour tous, que tu sois analphabète ou instruit. Il n'y a pas d'analphabète devant Dieu parce qu'il est le Dieu de toutes les langues. Alléluia. Plus de 3000 invités sont venus de Soubré, San Pedro, Abidjan, Bouaké pour assister à la cérémonie qui a enregistré également la présence du révérend Bola venu du Nigeria. Au nom des missionnaires, Marie-France Schultz, venue d'Italie. Cette cérémonie de remise de diplôme était placée sous le sceau de la paix, du pardon et de la réconciliation. À ses futurs pasteurs, la missionnaire Marie-France Schultz a demandé la foi inébranlable en Jésus-Christ, le sérieux et l'amour du prochain. Les chantres unis de Yamoussoukro ont assuré l'animation musicale de cette cérémonie. Faisons à présent le tour de l'actualité en bref sur le continent, en commençant par l'Égypte, où des heurts entre la police et des manifestants pro-Morsi ont fait plus d'une dizaine de morts. En Égypte, des milliers de manifestants islamistes ont défilé à travers tout le pays. Les nouveaux affrontements ont fait 11 morts, où les frères musulmans bravent toujours les autorités militaires. Des heurts ont eu lieu en marge des manifestations de soutien à Mohamed Morsi, le président destitué en juillet dernier, des heurts auxquels ont pris part des civils opposés au courant islamiste. L'Assemblée constituante tunisienne a entamé le vote destiné à adopter la future constitution qui doit aboutir avant le 14 janvier. Les députés ont adopté samedi les deux premiers articles de la constitution, rejetant l'islam comme source de droit. L'Assemblée doit ensuite se pencher sur les amendements. Ce texte devra aussi permettre à la Tunisie de sortir d'une profonde crise politique entre modérés et islamistes. En République du Congo, députés de la majorité et de l'opposition unis pour rendre un hommage au colonel Mamadou Moustapha Ndala, tué dans une embuscade dans l'est du pays par des présumés rebelles ougandais. Son rôle de premier rang sur la victoire de nos FRDC sur les M23 ne soit la cause de sa mort, je crains. Il est tout à fait clair que l'Ouganda et le Rwanda peuvent être derrière cette agression, d'autant plus que Mamadou a réussi à déloger les ZDF Nalu de Kamango. Et donc une vengeance sur sa personne pouvait être prévisible avec l'objectif de démoraliser nos troupes. Le colonel Mamadou Moustapha Ndala avait remporté la victoire sur la rébellion du M23 qui a capitulé en novembre dernier. L'actualité en bref dans le monde nous mène au Cambodge et en Chine, mais avant, notre première destination est l'Irak. La tension reste très vive dans la province irakienne d'Al-Anbar, bastion sunnite hostile au premier ministre chiite Maliki. Vendredi, au moins 32 civils et 72 combattants d'Al-Qaïda ont été tués à Ramadi, le chef-lieu de la province. Les affrontements ont opposé le réseau extrémiste sunnite, des tribus locales et les forces de sécurité. Selon la police, la ville était samedi en partie sous contrôle, mais des combattants d'Al-Qaïda se trouvaient encore dans Ramadi. L'armée irakienne a par ailleurs pilonné samedi Fallujah pour en déloger les insurgés.
Nouveau tour de vis au Cambodge, les autorités ont interdit samedi jusqu'à nouvel ordre les manifestations de l'opposition. Ces partisans, rassemblés depuis décembre dans un parc de Phnom Penh pour réclamer de nouvelles élections, ont été évacués par la police anti-émeute. Cette intervention survient au lendemain d'une manifestation d'ouvriers du textile sur laquelle la police avait ouvert le feu, faisant au moins 3 morts. Un des leaders de la contestation politique estime qu'il s'agit là d'une tentative inacceptable de briser le mouvement ouvrier et l'opposition à laquelle les ouvriers du textile se sont récemment ralliés. Le navire chinois qui avait volé au secours du Cholski et de ses passagers piégés dans les glaces de l'Antarctique est à son tour bloqué. Son équipage a toutefois fait savoir qu'il ne souffrait d'aucune avarie, qu'il était en sécurité et qu'il ne requérait aucune assistance. Le Dragon des Neiges, qui possède un hélicoptère, avait permis l'évacuation jeudi de 52 personnes coincées à bord d'un navire russe depuis le 24 décembre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.